Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous sommes encore aujourd'hui 25 avril, réunis ensemble, en communion ensemble, pour encore témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Et j'espère que vraiment dans ta vie, mon frère, ma sœur, ces murailles sont en train de tomber. J'espère que tu es en train de voir le bout du tunnel de cette maladie, de cette infirmité qui te gâche la vie, qui te perturbe, qui te cloue sur un lit, qui te cloue sur une chaise roulante, mon frère, ma sœur. J'espère que tu vois le bout du tunnel, mon frère, ma sœur, que vraiment tu es en train de changer ta méthode de voir et de comprendre et de percevoir la guérison divine, mon frère, ma sœur. J'espère que tu es en train de toucher le ciel avec les bouts de tes doigts, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus, sois béni, sois béni. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, où est-ce qu'on va le prendre? Et si on prendrait le même qu'hier? Ça te dit? Oui, amen. Toujours. Il faut nous faire un lavage de cerveau avec la Bible. On se fait tant de lavage de cerveau avec tout ce qui se dit à la radio, tout ce qui se dit à la télévision. Mais pourquoi ne pas se faire un lavage de cerveau avec la parole de Dieu, la puissante parole de Dieu? La Bible, la Sainte Bible, oui, c'est Dieu qui s'est incarné au travers de Jésus, au travers de la parole de Dieu. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, mon frère, ma sœur. Oh, quand tu t'accordes avec la parole, tu t'accordes avec Dieu, mon frère, ma sœur. Oh, Seigneur, encore une grande vérité encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Encore une grande vérité, la parole de Dieu était auprès de Dieu et cette parole s'est faite chair en descendant ici-bas, mon frère, ma sœur. Et tu dois matérialiser la parole de Dieu dans ta vie, sur cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Mon frère, ma sœur, ce passage de Matthieu chapitre 8, verset 17, c'est où tu t'en saisis, où tu prends du Tipex, tu prends quelque chose, tu mets quelque chose dessus pour ne plus le voir. Et alors là, ben, tu resteras avec ta maladie, mon frère, ma soeur. Mais je pense que tu as envie de guérir. Je pense que tu as envie de témoigner de la guérison que Dieu va apporter dans ta vie, mon frère, amen, ma soeur. Amen. Dans ta vie. Je le crois. Karine le croit, il n'y a plus qu'à toi à le croire. Il n'y a plus qu'à toi à le croire. Parce que Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Donc ne me dis pas, non, je ne t'écoute pas, je ne m'accorde pas avec toi. Non, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce que ce texte de Matthieu chapitre 8 verset 17 nous dit. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Je me souviens plus du texte biblique. C'est quoi? Tu sais me répéter? Parce que je crois que je n'ai pas assez répété ce verset. À mon avis, il croit que je mens. Il croit que je mente. Non, je ne mens pas. Attends, laisse-moi un peu t'éclairer sur ce qui vient d'être dit. Ouais, voilà. Je vais t'aider. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le prophète qui est le messager de la part de Dieu. Le porte-parole de Dieu. Amen, amen. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ah ben alors, j'ai pas menti alors. Non. C'est vraiment ça que ça dit? C'est vraiment ça que ça dit. Oh. Tu as dit toute la vérité. Oh là là là. Et c'est à nous maintenant de nous accorder avec cette parole. Amen. Bon, et le titre de la méditation, je vais te le dire, ma chérie, c'est lequel? Oui, dis-moi. Voilà, c'est accepter Jésus comme étant celui qui vous guérit. Amen, amen. Je l'accepte. Tu l'acceptes? Je l'accepte. J'espère qu'ils vont l'accepter eux aussi. Et toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu l'acceptes dans ta vie? Je veux voir dans vos commentaires aujourd'hui. Je veux voir si vous l'acceptez. Dites-nous si vous acceptez cette vérité dans votre vie. Oh là là là. Moi, je ne sais pas vous. Je ne sais pas vous, mais vous savez, être en communion, c'est ça. C'est avoir ce
cette discussion les uns avec les autres, mon frère, ma soeur. J'ai parlé, Karine a écouté. Karine a parlé et j'ai écouté. Maintenant, nous, après quand nous allons finir cette émission d'aujourd'hui, mais comme Karine l'a dit, nous voulons voir tous vos témoignages, Amen. Tous vos témoignages. Je veux que nous disiez, voilà, vous nous avez redonné la foi, voilà, nous pensions comme ça et maintenant ça a changé notre vision des choses. Je me saisis par la foi de la guérison que Dieu va apporter dans ma vie. Mais non seulement dans ta vie, mon frère, ma sœur, autour de toi, n'y a-t-il pas des personnes qui sont en train de souffrir? Oh, la guérison ne s'arrête pas qu'avec toi, mon frère, ma sœur. La guérison va aussi au-delà de toutes les frontières, mon frère, ma sœur. Nous sommes en Belgique, toi tu es à l'étranger et cette parole te rejoint, cette parole te touche, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu nous a dit, étends les cordages. Oui, tu t'étendras à gauche, Amen. Tu t'étendras à droite Amen. Et plus tu avanceras et plus tu prendras encore ce poteau et tu le repousseras encore plus loin. Amen. Tu ne t'arrêteras pas. Élargis l'espace de ta tente. Oh. Élargis-toi, élargis ta façon de penser. Va beaucoup plus loin. Que rien ne puisse t'arrêter de t'étendre plus loin, pour que beaucoup puissent te rejoindre dans cette façon de penser, dans cette façon de voir. Élargis l'espace de ta tente. Ne reste pas cloîtré à l'étroit. Dans ta façon de penser, élargis ta façon de penser, ta façon de voir. Au nom de Jésus, Alléluia. Vraiment que tu puisses t'étendre, mon frère, ma sœur. Oui, que tu puisses t'étendre grâce au témoignage de guérison que Dieu aura effectué dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'une grande prédication. Tu as juste besoin de prendre ce verset peut-être de Matthieu chapitre 8, verset 17, et de dire, voilà, j'ai entendu cette parole, j'avais ces raisonnements en moi, et Dieu a changé ma mentalité, et je me suis saisi de ma guérison. Elle s'est matérialisée, au nom de Jésus. Bon, je crois que je vais terminer avec ce témoignage, parce que ce témoignage est vraiment puissant, c'est vrai. Ce témoignage est vraiment ce que tout le monde est en train de vivre aujourd'hui, et malheureusement, à cause de faux ministres de Dieu, ils sont encloisonnés dans de faux raisonnements, mais aujourd'hui, 25 avril, ils vont sortir de ce mensonge. Amen. Au nom de Jésus. Les chaînes vont tomber Amen, aujourd'hui. Amen. Amen. Je ne sais pas si comme moi, tu ressens la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit qui est en train de déferler sur cette planète Terre, même si tout nous parle de guerre, tout nous parle de pandémie, tout nous parle de maladie. Nous avons la solution. Jésus est celui qui a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et la maladie, qu'est-ce qu'elle a à faire? Ben, c'est prendre ses valises et partir de ta vie. Mais toi, tu dois être saisi. Et quand tu sais que ta maladie est passée chez un autre, tu prends, tu vas là-bas, tu dis « Oh, je te connais, tu te rappelles ?» Et alors tu commences à témoigner de ce que Dieu a fait. Tu commences à dire ce que tu as compris au travers de ces émissions. N'oublie pas d'aimer ces émissions, de partager, de t'abonner à la chaîne de Karine. Ça fait un petit temps que nous ne l'avons plus dit, mais faites-le mon frère, ma soeur. Parce que si vous ne faites pas ça, mon frère, ma soeur, vous faites gagner le diable. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas faire gagner le diable. Nous voulons mettre un pouce bleu, mettre « j'aime ». Nous, ce que nous avons envie, c'est que le peuple de Dieu soit libéré de ses chaînes. Amen. Que ces chaînes tombent, qui rentrent dans la guérison et qui témoignent de la guérison. Alléluia. Non pas dire « c'est Salvatore, c'est Christ ». Non, c'est Dieu qui fait tout ça. C'est le Saint-Esprit maintenant qui est sur cette planète Terre et c'est lui qui rapporte la guérison. C'est lui qui va chercher les guérisons auprès du Père et qui vient te la faire matérialiser dans ta vie. C'est le Saint-Esprit, c'est son travail. Et Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder pour toi pour que tu te saisisses de cette guérison, mon frère, ma sœur. Parce qu'il a déjà payé. Jésus a payé ta maladie, ton infirmité, il l'a déjà payé. Et quand toi tu restes en disant non, 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 c'est comme si tu refuses le message de la croix. Mais le message de la croix, c'est non seulement le pardon de nos péchés, mais c'est aussi la guérison de nos infirmités, Amen. De nos maladies, mon frère, ma sœur. Alors voilà,
Oh là là, moi je suis chaud, je suis chaud là. Allez, nos bien-aimés ont envie d'entendre ce témoignage, la fin de ce témoignage. Bon, prenez une petite gorgée de café parce que ça va être chaud, ça va être chaud encore. Maintenant, nous pouvons prier, annonçai-je au couple. J'étendis la main, la posant sur la tête de la femme. Jésus, Seigneur, ma chère sœur est venue chercher la guérison. Elle a compris que Jésus a pris ses infirmités et s'est chargé de ses maladies. Elle t'a accepté comme sauveur et a été sauvée. Maintenant, elle vient t'accepter comme étant celui qui l'a guérie. Et elle est guérie. Nous t'en remercions. Et c'est tout. Là, la prière de l'homme de Dieu. Pas besoin de chasser une maladie. Il a prié comme quoi elle s'est saisie par la compréhension du message de la croix qu'elle était guérie. Et là, l'homme de Dieu lui dit, « Êtes-vous guéri ?» Et elle répondit, « Oui. » « Comment le savez-vous ? » « Parce que la parole déclare qu'il a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies, » me répondit-elle. « En effet, vous l'avez compris, » m'écriai-je. Je fis volte-face et me dirigea vers la porte du bureau du pasteur. Je regardai en arrière et me rendis compte qu'elle ne pouvait pas se lever. Son mari l'a pris dans ses bras, comme un bébé, et la porta hors du bâtiment. 2 jours après avoir prié pour la femme, elle revint complètement guérie. Le mari m'expliqua qu'il n'y avait eu aucune preuve de guérison lorsqu'ils arrivèrent chez eux, et pourtant elle avait enlevé l'appareil orthopédique de son dos pour le jeter dans l'armoire, en affirmant « Gloire à Dieu, j'en aurais plus besoin !» Se couchant, elle avait tous les symptômes. Mais en se réveillant le lendemain matin, chaque symptôme avait disparu. Oh Seigneur, merci. Je la revis 14 ans après et elle était toujours guérie. Vous voyez, mon frère, ma sœur, oui, elle avait toujours des symptômes. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Ne pas témoigner les symptômes. Témoigner les symptômes, c'est témoigner la non-guérison. C'est témoigner la puissance du diable. Parce que c'est le diable qui envoie les maladies. C'est lui l'auteur de la maladie. Ce n'est pas Dieu. Mais là, elle a dit non. Je me suis saisi de ça. Combien de fois le diable vient vous dire que vous n'êtes pas sauvé? Vous ne le croyez pas. Parce que vous dites, voilà, il est mis dans la parole de Dieu que j'ai été guéri en l'acceptant dans ma vie. Et c'est la même chose avec la maladie. Vous devez lutter. Le diable ne va pas vous venir vous dire, il pourrait le faire, mais il ne va pas vous venir, tu vois, tu n'es pas guéri, tu es toujours là. Non, non. Le diable va t'envoyer d'abord tous les symptômes. Et puis, il va venir avec sa parole dire, tu vois, l'homme de Dieu est un impuissant, l'homme de Dieu est un incapable. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui guérit, mon frère, ma sœur. Et qui va arrêter le Saint-Esprit? Qui va arrêter le Saint-Esprit? Personne. Genèse, chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit que la terre était informe, vide, le chaos y régnait. Le chaos aujourd'hui, c'est la maladie pour le monde. Cette pandémie en 2021, le Covid-19, ça, c'est le chaos. Et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu était au-dessus de ses eaux. Il est au-dessus de ça. Le Saint-Esprit n'était pas contaminé par ce chaos. Le Saint-Esprit n'est pas contaminé par la maladie. Amen. Pourquoi le devrais-tu être toi? Toi qui es baptisé dans le Saint-Esprit? Toi qui es immergé dans le Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit n'est pas malade, tu n'es plus malade, mon frère, ma soeur. La maladie n'a qu'une seule chose à faire, c'est sortir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix et qui s'est chargé de nos maladies et de nos infirmités, mon frère, ma soeur. Oui, oh, comme je ressens la guérison, comme je ressens vraiment cette puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Ma chérie, je t'ai déjà fait parler au début, mais je crois que tu as encore soif de parler. Tu vas déverser cette parole prophétique dans la vie de mes frères et mes sœurs.
et ils n'auront plus aucun doute. Fais détruire cette muraille. Oui, courons alentour de cette muraille. Amen. Et qu'elle tombe là maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Eh bien, je vais m'accorder avec ce que tu viens de dire, mon bien-aimé. Amen. Je vais m'accorder. Et nous allons faire un acte prophétique en concordance avec ce que tu viens de relâcher. Nous allons déclarer cette fois ce verset biblique qui dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Nous allons le déclarer cette fois. Pourquoi ? Parce que l'acte prophétique que nous allons faire est celui-ci. Mes bien-aimés, suivez-moi et comprenez ce que je vous dis. Nous allons le déclarer cette fois, comme si nous étions devant la muraille de Jéricho, comme si Dieu nous avait donné cet ordre de parcourir cette fois l'alentour de la ville, autour de cette muraille. Et à chaque fois que nous déclarerons ce verset, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer dans ton âme, dans ton corps, mon frère, ma sœur. Crois-le par la foi. Et à la fin, nous crierons que nous sommes guéris au nom puissant de Jésus-Christ et cette muraille tombera et ce blocage tombera et cette maladie sera anéantie par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Alors, nous allons commencer à faire cet acte prophétique ensemble. Mes bien-aimés, suivez-moi et déclarez-le en même temps que moi. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de ma maladie. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de ma maladie. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de ma maladie. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de ma maladie. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités et il s'est chargé de ma maladie. Et encore une fois, mes bien-aimés, un dernier tour autour de cette muraille, de cette maladie qui règne dans vos corps, en déclarant « Il a pris mes infirmités » et il s'est chargé de mes maladies. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Je comprends que Jésus a pris toutes mes infirmités et qu'il s'est chargé de toutes mes maladies. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Et il m'a sauvé. Donc, je l'accepte aujourd'hui en tant que celui qui me guérit et je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen, 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 amen. Amen. Et nous le croyons qu'il y a quelque chose qui s'est opéré dans vos cœurs, dans vos corps et dans vos esprits aujourd'hui. Et des murailles sont tombées. Je le crois. Je le crois au nom de Jésus-Christ. J'ai la foi qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de témoignages qui vont arriver et qui vont déclarer qu'ils ont été guéris par la puissance du Saint-Esprit qui a été libéré encore aujourd'hui sur vos vies. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. Réjouissez-vous dans la présence de Dieu et je vous donne rendez-vous demain.